De Hurfu qui fait hurler sur son cheval. La majorité des enfants que nous accueillons, pour ne pas dire tous, sont issus de l'immigration clandestine. Leurs parents n'ont pas de papier et c'est justement pour ça qu'ils ont eu des difficultés à pouvoir les inscrire dans des écoles de droit commun. C'est vrai que devant les chiffres, ça fait trembler. 5000 enfants non scolarisés à Mayotte, nous en accueillons 100. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Nouveau de nouveau les cahiers et on va travailler l'écriture. Je dis à mon équipe, je leur dis, nous sommes des fantassins. Nous sommes en première ligne. C'est nous qui tenons le front. Et le front de la solution. Pas le front de la répression, pas le front de l'exclusion. Le front de la solution. Par l'éducation. Voilà. Je crois dans le fait que un enfant puisse être né dans un pays où il souffre, venir avec ses parents dans des conditions de mer, risquer sa vie, arriver sur une plage de Mayotte, grandir, s'inscrire à l'école, être inséré dans la société, trouver les voies et moyens de s'épanouir. J'y crois, ça m'anime, c'est au fond de moi, j'y vais. Et même si pour un c'est possible, ben on l'aura pas fait pour rien.